déjà. Il y a des choses que je ressens. Là, comme ça. Oui. Je commence là-bas. Oui, vas-y là-bas. Je ressens. Ici. Voilà. Je sens que le fétiche entend se déplacer. Ah. Oui. Ça a bougé là. Le fétiche a bougé là. Donc envoie-moi de l'huile. Amène-moi l'huile. Amène-moi l'huile. Donc je l'huile. De l'huile. Amenez-moi l'huile, amenez-moi l'huile. Je sens que le fétiche l'entend de bouger là. Amenez-moi l'huile là. On va neutraliser ça tout de suite. Oh rabachak, rabachak. Ouvre la bouteille, ouvre la bouteille sèche. Émilie, viens. Émilie, viens. Enlève la bouteille, enlève la bouteille, enlève la bouteille. Enlève, voilà, le plastique là, enlève. Viens, viens. C'est ici, quand tu t'arrêtes ici, souvent ça te fait bizarre. Oui. J'ai senti ça tout à l'heure. J'ai senti ça, une présence ici. Mais je pense que c'est venu se localiser ici. L'esprit, là. Voilà, voilà. Je sens que ça est là. Voilà, je sens que ça est là. Parce que Serge a commencé à creuser. Il a creusé demain. Quand Serge a creusé là, ça a bougé là. Le fétiche a bougé là. Et le fétiche est venu, il était là, et puis le fétiche est venu se localiser là. Voilà, donc j'ai senti que la chose a sauté. D'accord. La chose a sauté, et c'est venu se mettre là. Voilà, le truc est venu se mettre là. Voilà, parce que c'était là tout à l'heure, pendant dans le couloir. Quand j'ai touché. Où tu touchais, ça te déplaçait. Ça partait comme ça. Quand tu es venu, c'était d'abord ici. Parce que quand je suis venu, j'ai senti la présence du fétiche ici. Et puis au fur et à mesure, quand tu piochais, c'est venu là. Oui. Et c'est parti là. Voilà. Maintenant, ça a bougé là. Ça voulait rentrer dans la maison. J'ai prié, c'est tombé là. Donc c'est là. Ça est là. Voilà. Donc viens, viens, viens. Viens. Quelque chose. Déjà le non, 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 faut piocher. Faut piocher là. Quand j'enlève ça aussi. Oui, enlève ça là. Le fétiche est là. C'est un foulard fétiche. Le sang de Jésus-Christ. Là, là, là. Voilà, doucement. Voilà. Voyez ça. Voici le fétiche. Voici ça. Ça là. Ouais, ça là. Ah bon? Ça là, ça, ça. Ça, ça. Voilà, c'est ça. Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi lui. Donne-moi lui. Va chercher de l'huile. Donne-moi lui. Voici le fétiche. Voilà. C'est ça. Ça a sauté là. C'est... Voici le fétiche. Qu'est-ce que c'est comme chose? On va ouvrir ça tout de suite. D'accord. Voilà. J'amène des bouteilles. Amène ma bouteille. Amène le lit. Voilà. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Émilie. Celle-là, la bouteille, lui, là. C'est... Non, mais ça y est, c'est parti des deux. Hein? Les deux bouteilles sont parties. Les deux bouteilles sont parties? Bah oui. Touche pas. Rochagion de plus. Maman, ouvre la bouteille. Ouvre. Et c'est... Faut pas tout trembler. Pourquoi tu trembles? Pas tremper. Moi j'ai prié, je suis deux jours en train de prier. Et si tu sais ce que j'ai vu à la maison, à mon hôtel, les attaques bizarres. Voilà, bizarre, tout ça. Laisse faire. Il faut amener des bouteilles, il ne faut pas amener qu'une bouteille. Voilà. Voici ce qu'on va faire, je vais commencer. Tu peux ouvrir? Tu n'as pas peur? Non. Attends, mets les gants quand même. Oui, d'accord, porte les gants. Moi je cherche tes gants. Va chercher tes gants. Cherche les gants, la puissance de Jésus-Christ neutralise. Ce pouvoir du fétichisme, le pouvoir du fétichisme, la puissance de Dieu, de tout le pouvoir de la sorcellerie dans cette cour, la puissance de Jésus-Christ, détruis ça maintenant. La main de Jésus, la main de Jésus, la main de Jésus. Voilà, ouvre. Voilà, voilà, ouvre, coupe, coupe, coupe. Ah, c'est la chair humaine. Waouh! Venez. Voilà, c'est la chair. Oh la vache! Tu vois? Wow. Tu vois, Émilie, voici ce que les gens sont en train de faire mystiquement. Waouh! La puissance de Jésus. Faut que je le fasse, les gens. Que les gens. C'est la chair. Oh la 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 la! C'est la chair. Waouh! Ça, c'est la chair. Ouais, c'est la chair, moi. C'est la chair. On nous fait vraiment un morceau de viande. La chair. Wow. Déjà, il est en train de bouffer
Je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à l'intérieur. Là, ça doit être une poudre. Ouvre là. Tu m'as donné un couteau qui coupe pas. Voilà, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a un mot. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est pour cela que tu ressentais des choses bizarres quand tu passais ici. Déjà, papa, là. Non, attends, on va finir d'abord avec cette histoire. Oui. Pour la chaque on de plus abide de Jesus, on de plus abide dans chaque on de plus. Jesus my the Lord chaque on de plus. C'est noué. Couper. Ça bougeait dans la cour, ça bougeait. Ah oui. Chaque on de plus. Le sang de Jésus Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ah, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Oui. C'est un vêtement. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Attention que ça aille sur toi. Le sang de Jésus. Serge. N'a pas peur. Ah, mais. Elle me fait peur, rien qu'en criant. Non, ne pas te faire peur. Ah, oh, non, c'est pas vrai. Détache. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de l'âme. Je peux prendre une photo? Oui, vas-y. Le sang de Jésus. Amène un couteau qui coupe, là. Amène un couteau qui coupe. On veut savoir ce qui est voilà. Dedans. Il y a quelque chose qui est attaché, non? Voilà. Voici ça qui est attaché. Il faut ouvrir. Ça. Faut détacher. Non, donne-moi un couteau qui coupe, parce que là, le truc, là, déjà. Parce que la nouille, c'est tellement dur que j'arrive pas à... C'est un tissu, hein. Détache tout simplement. Non? Je peux pas détacher avec les gants. Tu peux pas le chasser. Faut couper. Faut que tu coupes. Voilà. Et encore un nœud. Voilà. C'est le nœud, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a dans le nœud, il y a quelque chose dans le nœud. Non, ouvre ça doucement. Ouais, ouais. Doucement. Comme ça qu'on puisse savoir ce qu'il y a dans le nœud. Je vois, ça glisse, ça arrive pas. Va doucement. Je suis désolé, mon père. Va doucement. C'est facile à défaire, voilà, par là. Tu avais trouvé une poudre dans tes chaussures, tout ça? Oui. Attends, ça là, ça doit être une poudre. Une poudre mystique. Voilà. Nous détruisons tout ce pouvoir mystique de la sorcellerie. Nous détruisons la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de notre Dieu. Détruis ce pouvoir de fétichisme, de ce pouvoir de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ce pouvoir par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Donne-moi lui. Je détruis ce pouvoir maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Je détruis ce pouvoir au nom de Jésus. Il n'y a plus d'huile. Pour chaque fois, on détruit son maître de Jésus. On détruit son maître de Jesus mighty Lord. Voilà, mighty Jesus mighty Lord. Sauf cela que je disais là, j'ai dit l'esprit que j'ai vu qui est venu me menacer à l'hôtel. Mm-hmm. Voici un peu. La puissance de Dieu là. Ouais. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Neutralise le pouvoir des ténèbres. Neutralise le pouvoir des ténèbres. Parce que quand je suis venu dans la cour, mon corps a commencé à s'électrocuter. Voilà, depuis le portail ici, je sentais que mon corps s'électrocutait et j'ai senti la chose. La chose a commencé à se déplacer. Elle s'est déplacée. Tu as vu que je marchais avec toi dans la cour. On marchait avec toi dans la cour. Donc la chose était là. J'ai senti ça là. Hein? J'ai senti la chose là. Le tout, j'ai senti là. C'est ça qu'il disait tout à l'heure qu'on devait creuser. Donc pendant que toi tu creusais, tu as commencé à creuser ici. Parce que normalement, c'est ici que c'était logé. Voilà, c'était ici.
Voilà, la chose était localisée ici. À chaque fois que je me mettais là, j'avais toujours la chair de poule. La chair comme de je l'ai toujours, jusqu'à présent, même là, 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 là. Là où vous me voyez, là, j'ai la chair de poule. Non, mais c'est déjà neutralisé. Voilà, donc ici, à chaque fois. Ici, c'était là. Et puis ça sautait, c'est monté là. Voilà, et puis ça partait. Tu vois? À chaque fois, j'avais toujours donc la chair de poule. Donc quand Serge a touché, parce que là, il partait là, qu'est-ce que Serge a touché? C'est là. Donc là, de là, ça allait entrer dans la coupe. Dans la maison. Voilà, c'est là. Voilà, c'est de là. Ça de là maintenant, ça devait entrer. Si ça pénétrait la maison, c'est fini. Parce que ça serait difficile. Voilà, c'était difficile tout ça là. Voilà, donc tu vois, ça j'ai l'impression que c'est une partie de ta chair. Mystiquement, tu vois, qui est en train de ronger déjà par les œuvres de la sorcellerie. Et comme je disais là, et quand on annonçait le programme déjà, j'ai commencé à avoir des menaces. Des menaces par rapport à ça. Voilà. Voilà. Donc voici l'action de Dieu maintenant dans ta vie. Et maintenant, comment ça s'est passé? Ça t'a paralysé? Tu as été paralysé? J'ai dit que j'ai eu des. Où sont ces béquilles là? Mes béquilles qu'elle a? Sur notre voiture. Attends, l'autre, je vais les sortir. Voilà, il faut faire sortir les béquilles. Et c'est quand elle est venue à Lyon, quand elle est venue en Suisse, quand je priais pour elle, c'est là, elle était malade quand elle est venue en Suisse, c'est ça? Un petit peu, ouais. Toujours plus ou moins malade. Malade. Pas bien. Oui. Elle s'est cachée qu'elle a sa fibromyalgie qu'elle a. Oui, donc. Est-ce que j'enlève ça, j'échoue. Ouais. Mais qui c'est qui a pu mettre ça? Mais c'est mystique. Ça vient comme ça par esprit? Non, on a par esprit. Il y a quelqu'un que vous avez hébergé la dernière fois ici. C'est la personne qui a. C'est la personne qui a fait ça. Dans la voiture. Voilà. Voilà les béquilles de ta fille. Oui. Voilà. Et ça, tu souffrais de quand tu venais en Suisse, tu rends ton témoignage déjà. Voilà, quand je venais en Suisse, c'est ça que j'avais. Oui. Parce que je n'arrivais même pas à descendre les escaliers. Là. Ouais. Alors là, c'est impossible de vivre cette vie. Ouais. Vas-y, ton témoignage, c'est important de rendre ton témoignage et voir comment nous pouvons sauver les gens. Et que la sorcellerie n'est pas seulement qu'en Afrique, la sorcellerie peut continuer à poursuivre les gens. Même ici en Europe. C'est pour cela que c'est important que nous venons consacrer les maisons et les familles. Et ça, c'est vraiment très important que nous venons consacrer. Parce que la sœur, elle a vécu des choses, n'est-ce pas? Elle vient dans nos programmes, des choses horribles. Horrible. Elle se retrouve dans un fauteuil roulant parce que quelque part, elle a hébergé une personne ici, il y a eu pratique de sorcellerie dans la cour, tout ça. Donc, dans la cour, était minée. Voilà, minée et tout ça. Donc, on a eu un bout de temps. Voilà, voici les béquilles. Voilà les béquilles. Voici les béquilles. Voilà, et par la grâce de Dieu. Voici mes béquilles. Voilà. Voilà, voici comment elle marchait. Et puis, voici, il y a eu un miracle, n'est-ce pas? Le miracle est là. Le miracle de Jésus-Christ. Il est là parce que vraiment, je ne. À chaque fois que je. À un moment même, je ne pouvais même plus sortir. Sortie. Toute seule, j'avais peur. J'avais peur, ouais. Non, je lui dis. Quand vient la nuit, elle sort plus. Elle sort plus la nuit. J'ai déjà peur. C'est moi qui les sens qui sort. Oui, ah, c'est toi qui sors. J'ai peur. Je lui dis. Parce qu'elle sentait des présences dans la cour. Oui, je trouve. Elle sentait comme quand la petite fenêtre dans la salle de bain, ouais. On est forcé de mettre quelque chose devant ce chemin. Avant, je ne faisais pas ça. Ouais. À un moment, maintenant, je suis obligée. Obligée. Quand la nuit. Ouais. Je suis obligée de mettre un tissu noir. Je lui dis, monte, comme j'ai les douleurs là, ouais. Et les bras et les pieds. Ferme la petite fenêtre, il ferme en noir opaque. Avant, ce n'était pas ça. Ouais. Avant, non. C'est à cause de ça. Avant, ce n'était pas ça, papa. Et quand tu es revenu de la Suisse, tu as dit que tu as senti qu'il y avait de la poudre dans ta chaussure. Voilà, une poudre noire dans la chaussure. Voilà, ouais, la poudre dans la chaussure. Parce que mes tes chaussures, elle m'accusait, moi je mettais de la poudre tout le temps, on m'a toujours accusé que c'était moi qui faisais tout ça. Toujours. Elle t'a accusé de sorcier. Voilà. Non, mais de poison dans la nourriture, je mange la même nourriture qu'elle. Ben oui. Je mange pareil, je bois pareil. Sous caché, il fallait finir le plat ou caché. Je dis, mais un scotch ou un cadenas pour fermer, je vais pas y toucher à ta nourriture. Les vieilles chaussures, mes vieilles. Ouais, là. Les vieilles là. Regardez déjà. Regardez, il y a la poudre là-dedans. Ouais. Vous voyez, attendez. Je n'arrive même plus à mettre les mains. Faut pas avoir peur, tu trembles, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas trembler, Jésus est Seigneur. Amen. Voilà, Jésus est Seigneur. Voilà, voilà c'est ça. Voilà. Donc quand tu es venu à la maison, tu as senti. J'ai senti et même. Ils ont mis la poudre dans mes chaussures. Dans tes chaussures. C'est là, c'est même là dedans, plein. Plein là. Les plein. Plein. Vas-y, fais descendre. C'est ça. Fais descendre. C'est là. Tu as senti.
Et donc, vous voulez porter la chaussure. Mmh. Voilà. Voilà. Vous avez senti qu'il y avait les poudres. La poudre, mes pieds étaient tout noirs. Tout noir. Les orteils, là, tout noir de poudre. Et ça a déclenché les choses. Et ça a encore déclenché parce qu'avant, j'ai eu ce problème-là. Mmh. Et là, actuellement, là, à chaque fois, ça pique comme s'il y a des aiguilles. Et j'ai même un autre sac de tout ce que j'ai ramassé à l'intérieur, pas les prières, papa. Parce que je n'ai pas voulu sortir ça. Je voulais. Et la bouteille, il y a une bouteille mystique là-bas de l'autre côté. Une bouteille mystique. Ouais, mystique, c'est comme le radar. On aura tout à l'heure l'occasion d'aller vers là-bas. Elle a vu ça. C'est elle qui a chanté que c'était mystique. Oh, ouais. Déjà. Mettez chaussures. Voilà. Toutes ces choses-ci, papa. C'est plein là-dedans. Le sac-ci est plein de fétiches. Je ne sais pas quoi. Déjà ça. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que je mettais, à chaque fois que je ramassais, je gardais. Ouais. À chaque fois, vous voyez les petites cachettes. Voilà. Ici, là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est la même chose qu'on a trouvé. Oui, qu'on a trouvé par terre. Qu'on a trouvé dans le petit champ. Comme un petit épi. Et là, j'ai mis du sel. Le sel, elle fait quoi? Je ne sais pas. Le sel béni. Le sel béni. Il fait bénir au prêtre, là, en bas. Mon Dieu. C'est la seule chose qui restait avec vous. Voilà. C'est quand je suis rentrée en Suisse que j'ai trouvé. Quand je suis rentrée de la Suisse que j'ai trouvé l'œuf-ci. Cassé dans ma cuisine. Je lui ai montré même ça l'autre jour. Je sais que ça vient un œuf comme ça dans les couverts. Hein, il y a des pots avec des couverts dedans. C'était dedans. Les trucs, mes spatules. Les spatules aussi. Voilà. Quelqu'un avait jeté à l'intérieur. Voilà, l'œuf là. Parce que ça, c'est le sac. Le sac plat. En train de ramasser les choses dedans. Dans la cour, c'est ça. Il y a même d'autres que j'ai même jetés. Ça, c'est à la maison, hein, puisque je vous sors là. Hein. C'est des choses qui viennent de l'intérieur. Vous voyez comment le place, ça. Ça, c'était là-dedans. Vous voyez ça? Avec la toile d'araignée, parce que ça, je l'ai déniché en bas de mon évier. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez? Tu as trouvé ça où? Tu sauras. Laisse. On va brûler tout ça là tout à l'heure. Ouais. Toutes ces choses-ci. C'est ça la sorcellerie, vous comprenez? C'est ça le pouvoir des ténèbres dans la vie des gens. Tu vois? C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas tromper ici. Voilà. C'est pas possible parce que non seulement ça devient compris pour elle, mais elle ne pouvait pas être en paix ici à cause de cette raison. Comme je disais là, j'ai senti que les esprits m'ont attaqué plusieurs fois. Ça, j'ai trouvé ça, je ne sais pas, mélanger avec des trucs. On avait de l'eau, ça. Je ne sais pas. Oui, qu'on avait pris, il y en avait trois comme ça. Moi, j'en ai une dans ma table de nuit. Non, bah, c'est ça ici, tu vois. Voilà. Donc, les gens étaient en train de détruire ta chair. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que, voilà, ils étaient en train de détruire. Eh oui. De toute façon, on voulait déménager, tout ça. Hein? On voulait déménager. Partir. Même si je partais. Ça allait te suivre. Ça allait nous suivre. Ça allait vous localiser, ça allait continuer de vous détruire. On ne peut pas. De vous détruire. Papa, il y a plein de choses ici. Je vous assure que. Ok, nous allons prier. Nous savons que nous avons un Dieu vivant et puissant. Et qui est la personne de Jésus-Christ. Hein, qui est la personne de Jésus. Laisse là, ma fille. Laisse. Nous avons un Dieu puissant. Qui est capable d'agir fortement. Qui est capable d'agir puissamment et qui est capable de Jésus-Christ a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Le diable est fait de tout ce qu'on doit marcher sur lui. Et ce n'est pas son habitation. Hein? Jésus-Christ est en train de dire, et la Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu vous apporte la paix dans cette maison aujourd'hui. Amen. Et que le diable qui pensait être chef de cette famille, qui pensait être chef de cette maison, Amen. Dégage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que son pouvoir Amen. Soit vaincu. Amen. Et que son pouvoir soit neutralisé Amen. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que nous avons un Dieu vivant
et qui commence et qui achève l'œuvre de ses mains. Et c'est la fin de tes œuvres, Satan. Amen. C'est la fin de tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ton pouvoir prend fin et ton règne prend fin ce matin. Tu as tellement persécuté cette famille. Amen. Et que nous disons non à cette œuvre maintenant. Amen. Désormais, Jésus-Christ devient le Seigneur de cette famille et de cette maison. Amen. Jésus-Christ Amen. Prend le contrôle Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il Amen. A dit à Jérémie, je t'envoie vers les nations pour que tu abattes, pour que tu arraches. Oui, Dieu nous oint pour abattre et pour arracher Amen. Tout ce que le diable aurait enfui, fuit sous la terre, qui crie contre nous, vous savez, le pouvoir de la terre. Ce soir, je parle à cette terre ce matin. Je veux parler à cette terre où il a été fait beaucoup de choses. Amen. J'ai détruit le pouvoir mystique de la sorcellerie qui criait contre cette famille Amen. Ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je proclame la seigneurie et la victoire de Jésus-Christ. Nous possédons cette victoire. Nous savons que David a dit à Goliath, tu viens contre moi avec le javelot, et n'est-ce pas avec tous tes arsenaux de guerre. Mais sache une chose, que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Nous avons Dieu, ce Dieu-là, à qui appartient la victoire, qui donne la victoire. Il vous donne cette victoire ce matin, et que c'est fini pour l'œuvre du diable dans cette famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Tiens, 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 attrape Amen. Ça. Je commence à filmer. Moi, je commence à prier pour la cour. Amen. Voilà, allons-y. La puissance de Dieu dans cette cour, la puissance Amen. De Jésus-Christ, la puissance de Dieu, Amen. La puissance de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. La puissance de mon Dieu, Amen. La puissance de Jésus, Amen. La puissance de Jésus-Christ dans Amen. Cette cour, dans cette famille, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je détruis le pouvoir de la sorcellerie Amen. Dans cette famille. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Au nom de Jésus, toute présence satanique est chassée au nom puissant de Jésus. Toute présence satanique est chassée au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel sur cette famille, la main de l'Éternel sur cette maison, la main de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel des armées, la gloire de l'Éternel des armées, la puissante main de Dieu. Je chasse la présence des démons, je chasse la présence des esprits dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de Christ se manifeste ici, le pouvoir de Jésus-Christ se manifeste ici. Le pouvoir de Jésus-Christ se manifeste ici. La gloire de l'Éternel se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire et la main de Dieu se manifestent. Et la gloire et la main de Dieu au nom de Jésus. Allons dans la maison. La main de Jésus-Christ, la main puissante de Jésus, la main puissante de Jésus-Christ dans cette cour. La main de Jésus-Christ. Amen. Je chasse la présence des ténèbres. Je chasse la présence des ténèbres dans le nom de Jésus. Ici, la présence de Jésus. La semaine dernière, la présence un pigeon, de Jésus. La tête coupée. La tête coupée ici. Ici, là, voilà, même, il y a même ces poils-là. Pour le chaillon de plus, là, la tête coupée. Pour le chaillon de plus, Jesus mighty. Allons détruire les caméras mystiques dans la maison. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. Amen. La puissance de Jésus-Christ. Je veux brûler toutes ces caméras mystiques. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que là. Là, il y a une caméra là. J'ai été électrocuté ici quand je rentrais. Vous pouvez déjà que je suis venu sur un sol déjà miné. Mais la puissance de Jésus-Christ, j'ai détruit. La Bible dit que tout ce que nous détruisons sur cette terre sera détruit dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit. C'est cela que le diable doit dégager. Le Amen. Diable doit partir dans le nom de Jésus-Christ. Il est appelé démon. Et la Bible dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse les démons de cette cour, de cette cour, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus votre habitation, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes ces caméras mystiques Amen. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis toutes ces caméras mystiques par la puissance de Jésus-Christ. Par la puissance du nom 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 de Jésus. La main de Jésus, la main de Jésus, la main de Jésus, la main de Jésus, la main de Jésus se manifeste, la puissante main de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Allons ici, au nom de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui ne glorifie pas ton nom. La puissante main de Jésus-Christ se manifeste ce matin. Comment au nom de Jésus-Christ, je détruis au nom de Jésus tout pouvoir de contrôle sur cette maison à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes chassés à jamais. Vous êtes détruits par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qui est dans le nom de Jésus, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel sur cette maison, la main de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de l'Éternel,
La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la puissante main de l'Éternel, la puissante main de l'Éternel. Mène-moi dans les chambres. Mène-moi dans les chambres. Oui, on va. On va chayon de plus, ça va, va. On the by the Jesus, mighty Lord. On the by the shayon de Jesus. On the plus, ça on the by the Jesus, mighty Lord. Je détruis la présence des ténèbres dans cette maison. Je chasse la présence au nom de Jésus-Christ. Je chasse la présence au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Vas-y. La puissance de Dieu. Je détruis cette famille ici. Par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Je détruis ta présence. Je chasse votre présence. Je détruis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et là, c'était son fief. Dans le nom de Jésus. C'est là qu'elle dormait. Elle dormait là. Ah, c'est là qu'elle dormait là. Oui, avant, il y avait pas. Avant, on a tout transformé pour faire un dressing. Oh, le chayon de plus abide. Jesus, mighty Lord. On de plus abide, Jesus. Amen. Oh, le chayon de Jesus, mighty Lord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ta présence. Je détruis ta présence au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci, on descend. La puissance de Jésus-Christ. La cave est juste en bas. Ah, elle est en bas. Oui. Et la cave est en bas. Oui, allons-y dans la cave. Ça, il manque plus la viande. Ah, tu vois que je n'aime pas la viande. Vous avez raison, regardez. Ça, ça ne donne même pas envie. Ça ne donne même plus envie de manger. Je chasse toute présence ici. Je veux parler aux esprits des ténèbres. Je m'adresse aux esprits. Pendant que je parle, vous quittez cet endroit. Vous quittez cet endroit. C'est un ordre. Au nom de Jésus, vous déménagez maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je vous commande, pendant que je parle, je vous ordonne maintenant même de déménager et de quitter cet endroit. Je mets cet endroit sous le contrôle de la puissance du Très-Haut dans le nom de Jésus-Christ. Et désormais, cet endroit devient une propriété privée. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il a dit, là où je foulerai mes pieds, il me donne le territoire d'héritage. Je déclare ce périmètre, je déclare cet endroit héritage de cet esprit. Amen. Désormais, aucun esprit n'a maintenant prendra le contrôle de cet endroit. Amen. Maintenant, la puissance de Dieu se manifeste dans cet endroit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Oh, Rabba Chahi, on déplace, on m'a aidé. Attends, je finis. C'est comme ça, c'est quand vous envoyez les diables, ils vont vous détruire. Pour rendre service, vous envoyez les gens, les diables. Et on voilà. On rend service, on la nourrit, on la... tous ces enfants inscrits à l'école et puis tout, tout fait. Avec les enfants. Mets ton genou, Émilie. Voilà, mets ton genou. Mets ton genou. Voilà, mets ton genou. Mets-toi à la sèche. Voilà. À partir d'aujourd'hui. Je te déclare ce matin libéré. Amen. Que ce pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie qui était en train de détruire ta chair, Amen. À partir d'aujourd'hui, que la main de Dieu te libère. Tu reçois ce matin, ta délivrance totale. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je fais le retour à l'envoyeur. Amen. Que le pouvoir du diable soit échoué dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le diable tombe. Amen. Et que la sorcellerie, tous ces sorciers qui étaient ligués contre toi, rencontrent
le feu de l'Esprit de Dieu ce matin. Et que dans leur camp, que la peur, la frayeur soit maintenant dans un moment dans leur camp. La mort retourne dans leur camp. La maladie retourne dans leur camp. Amen. Je proclame ce matin ta délivrance. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Jésus-Christ sur cette maison. La gloire de l'Éternel sur cette maison. La gloire de l'Éternel sur cette maison. Sèche, mets-toi en genou. Oh la bachaille, on dit plus, Mike. Jesus, mighty Lord. À partir d'aujourd'hui, je proclame la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. À partir d'aujourd'hui, je proclame la gloire de Dieu sur toi. La main puissante de l'Éternel sur ta vie. Je délivre le pouvoir des ténèbres et de la sorcellerie. Le pouvoir de contrôle. Comme! La sorcellerie libère ton âme. Mets-toi là, Émilie. La sorcellerie libère ton âme. La sorcellerie libère ton âme. La sorcellerie libère ton âme. Comme! Allez, la sorcellerie libère ton âme. Le pouvoir de la sorcellerie. Comme! Allez, le pouvoir de la sorcellerie libère ton âme. Allez, la main. Comment? La puissance des ténèbres. Allez! Contrôle plus sa vie. Contrôle plus sa vie. La main de Jésus-Christ. La main de Jésus. Comment? Jésus, Jésus-Christ te libère ce soir, ce matin. Jésus te libère. Merci. Jésus te libère. Jésus te libère de toute influence de la sorcellerie. Oui, de la sorcellerie. La sorcellerie libère. Voilà, vous le libérez. Voilà, libérez-le. Voilà, libérez-le. Libérez-le. Vous dégagez. Oui, vous libérez. Oui, libérez-le. Oui, libérez-le. Oui, oui, libérez-le. Oui, libérez-le. Oui, libérez-le. Oui, libérez-le. Oui, libérez-le. C'est la fin de votre règne sur son âme. C'est la fin de votre règne sur sa vie. C'est la fin de votre règne sur sa vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il ne sera plus votre prisonnier. Je le libère Amen. De cette prison satanique. Amen. Ne contrôle plus son âme. Amen. Ne contrôle plus sa vie. Maintenant. Comme allez, allez. Allez. Amen. Dégagez. Libérez-le. Libérez-le. Amen. Libérez-le. Libérez-le. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, Amen. La puissance de Dieu. Vos pouvoirs de contrôle prennent fin maintenant. Vous les libérez par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Vous les libérez par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Comme la puissance de Dieu. Amen. Vous les libérez maintenant. Voilà, dégagez. Libérez son âme. Libérez Amen. Son âme. Libérez sa conscience et son subconscient. Amen. Vous les libérez. Amen. Vous les libérez maintenant. Amen. Vous partez. Vous dégagez, vous dégagez. Oui, vous dégagez. Oui, vous dégagez. Allez-y. Allez-vous-en. Maintenant. 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 Allez-vous-en. Voilà, dégage. Dégage. L'esprit qu'il y avait vu chez moi à l'hôtel, là, je sens ça en lui. Voilà. Sors. 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 Quitte. 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 Quitte sa vie. Sors. Dégage. 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 Dégage, dégage, allez, quand dégage, Amen. Dégage, Amen. Tu les libères, tu les libères, tu les libères, tu les libères. Aujourd'hui, je proclame ta délivrance, je proclame ta délivrance Amen. Au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance, je proclame ta délivrance. Amen. Je te déclare ce matin libéré, Amen. Et je déclare toute cette cour libérée Amen. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Amen. Nous voulons te bénir. Ouais, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Amen. Voilà, Amen, mon papa. Amen. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Amen. Ouais, tu es libéré. Amen, mon papa. Excuse-moi, je pleure. Non, ici, si, c'est Amen. Libéré. Jésus t'a libéré. Amen. Jésus t'a libéré. Amen, papa. Jésus t'a libéré. Ouais, tu es libéré. Amen, papa. Merci. Oui, tu es libéré, c'est fini. Amen, ça. Oui, tu ne seras plus sous le contrôle. Amen. Tu es libéré. Jésus Amen. T'a libéré. Jésus Papa, t'a Amen. Délivré. Jésus Amen. T'a libéré. Oui, Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Il dit, je suis venu pour libérer les captifs. Amen. Jésus vient d'accomplir ses promesses, Amen. Sa parole dans ta vie. Merci. Oui, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as senti que les choses ont quitté ton ta vie, ton Amen. Corps Amen. Tu sentais que les choses partaient Amen. Voilà, c'est une délivrance. Tu crois à la sorcellerie? Pas beaucoup, mais maintenant je crois. Maintenant tu crois? Oui. Et tu croyais pas beaucoup avant? Je, croyais...
à me montrer des choses, je dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, mais maintenant tu crois? Maintenant je crois. Très bien. J'ai vu ça maintenant. Voilà. Maintenant tu crois? Voilà, je crois. Amen. Tu crois maintenant? Voilà. Eh, papa. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. La sorcellerie existe, c'est cela que nous autres nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Amen. Elle fait assez de dégâts dans les familles. Amen. Et des personnes innocentes tombent sous leur pouvoir. Amen. Et nous autres, avons vite compris, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes en train d'aider des familles. Amen. Parce que Satan ne doit pas être maître des familles. Les gens ont besoin de connaître leur liberté. Amen. Les gens ont besoin de vivre leur vie. Amen. Dans leur famille paisiblement. Et malheureusement, le pouvoir de la sorcellerie contre les familles. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, allez de Jésus-Christ, allez de lieu en lieu. Dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu, en libérant tout ce qui était sous l'emprise du diable. C'est ça qui est important. Vous voyez, c'est vrai, c'est l'ignorance, c'est la plus grande des maladies. Les blancs comme vous, les occidentaux, vos parents ont combattu la sorcellerie ici, au Moyen-Âge. Et c'est ils brûlaient les sorciers. C'est une vérité. Et la sorcellerie, c'est ça que nous autres, nous sommes depuis fort longtemps révoltés contre le mal. Vous avez, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que la famille, tout va changer. Voilà, les choses changeront dans votre vie. Les choses vont commencer à changer par la puissance. Nous prions que la puissance de Dieu transforme les vies. Nous prions que Jésus-Christ vous touche, vous transforme et que vos familles reçoivent la délivrance. Amen. Le diable, c'est un menteur. Amen. Le diable, c'est un destructeur. Le diable, c'est un menteur. Il ne doit pas être le maître de votre vie. Amen. C'est cela que vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Lui seul est le maître de votre vie. Lui seul peut vous apporter la paix. Amen. Lui seul peut apporter la solution à votre problème. Lui seul, il peut mettre fin aux œuvres de la sorcellerie. Amen. La sorcellerie, ce n'est pas de l'amusement. Amen. Et quand il vous contrôle, il vous mêle, il vous met dans une prison, une prison infernale, de sorte que tout ce que vous faites, vous arrivez à faire est bloqué. Amen. La maladie, les difficultés. Wow. Ça veut dire que quelque part, j'ai une main mystique. Il n'y a que la main de Jésus-Christ qui peut vous délivrer de ça. Amen. Et ici, aujourd'hui, ce matin, c'est une preuve. Amen. Depuis un moment, la soeur est menacée par la sorcellerie. Elle nous a rencontrés en Suisse. Amen. J'ai prié pour elle. Amen. Voilà, elle a laissé les béquilles. Et en même temps, il y avait plein de choses que Dieu me montrait dans cette maison. Amen. Il fallait que je vienne aujourd'hui. Et voici les choses faites aujourd'hui. Amen. Les choses ont été détruites. Amen. Vous dites même ici en France, il y a des maisons qui sont minées par la sorcellerie. Amen. Il faut que nous visitons les cours, les maisons Amen. Pour détruire. C'est Amen. Pour dire que la gloire vient au Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait. Shalom. Merci. Merci. Prends la vidéo. Attention, ne piétine pas là derrière. Voilà, donc Jésus vient te libérer. Voilà, j'ai une fin en toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps où on pleure, et puis il y a un temps pour se réjouir. Amen. Le diable pensait avoir la victoire. Amen. Il a fini, c'est fini. Amen. Dieu s'est levé parce que tu t'es levé. Amen. Voilà, parce que si tu ne te levais pas, Amen. Il serait maître d'ici. Amen. Et comme tu t'es levé, Amen. Dieu s'est levé. La Bible dit, lève-toi dans l'Ésaïe 60, lève-toi quand ta lumière arrive. Vous voyez? Comme tu t'es levé à commencer à te chercher, à commencer à chercher, à savoir ce qui se passait, Amen. Dieu va te mettre quelqu'un sur ton chemin, que le prophète Crasso, par lequel il va passer pour te délivrer. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Le pouvoir de la sorcellerie prend fin. Son règne prend fin sur ta vie. Désormais, je te déclare libéré. Amen, pour que papa. Tu puisses servir l'Éternel. Moïse a dit, laissez aller le peuple. Parce que l'Éternel a besoin d'eux pour qu'ils puissent aller le servir dans le désert. Je commande aux esprits de lâcher. Et d'ailleurs, c'est un impératif. Ta vie, ils sont obligés. C'est une obligation de te lâcher. Parce que désormais, tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Pour lequel tu as été créé. Il t'a créé pour l'adorer. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Amen. Tu es devenu maintenant une vraie adoratrice. Amen. Parce que Dieu te libère. C'est fini. Ton argent qui a été capturé par la sorcellerie. Amen. Toutes tes affaires Amen. Sont maintenant brisées. Amen. Et que tes finances reviennent. Amen. Et que tes Merci. Affaires reviennent. Merci. Je te repositionne ce matin. Amen. De ta destinée. Amen. Et que le pouvoir de la maladie est chassé définitivement de ta vie. Tu reçois la paix de Christ. Tu reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Tu reçois la main. Ta chair qu'on est arrivé à bouffer. Ouais, il restait justement une petite partie de la chair pour achever leur œuvre. Mais comme Dieu, il est Seigneur, il ne voulait pas que tu meurs. C'est Amen. Fini pour leur règne. Amen. À compter d'aujourd'hui, Satan est vaincu. Il n'a Amen. Plus de pouvoir sur toi. Et la gloire de Dieu, je déclare, délivré par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te libère ce matin. Reçois sa gloire. Expérimente sa puissance. Expérimente sa puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu, pour la Merci, délivrance Seigneur. Que tu accordes à cette famille. Merci notre Dieu. C'est fini, Satan. Tu n'as plus de pouvoir. C'est fini. Au revoir. Je prends le ciel en témoin. Le ciel et la terre en témoin. Désormais, tu ne régneras plus sur cette famille, sur cette maison. Désormais, c'est la présence de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Amen. Amen, Amen papa. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Papa. Nous rendons gloire au Seigneur Amen. Pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je communique la paix à cette maison. Amen. Je dis shalom à cette maison. Shalom. Amen. Désormais, la paix de l'Éternel Amen. Pénètre cette maison. Amen. Désormais, la gloire de Dieu pénètre cette maison. Amen. La stabilité entre dans cette maison. La prospérité entre dans cette maison. La prospérité entre désormais. La prospérité financière. Tout s'installe. C'est fini pour le règne du diable. C'est fini. Tu as tant régné. Maintenant, c'est fini. C'est le règne de Jésus-Christ dans cette maison. C'est la gloire de Dieu dans cette maison. La gloire de Dieu désormais dans cette maison. Seigneur, sera en paix. Et son épouse. Ils vivront leur paix. Ils vivront leur paix. Ils vivront leur paix. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez donner vos témoignages en quelques minutes? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez après cette prière? Qu'est-ce que vous vivez? La délivrance. On est délivré. Délivré. Papa. Amen. C'est comme si on m'a enlevé un grand souffrement. Qui dégage enfin. Un dégage sans fond. Moi, c'est un poids qui est parti. Un poids qui est parti. Je ne sais pas, je pèse, je portais, je ne sais pas, 1000 kilos sur moi. Amen. Je me sens légère comme une feuille de papier. Amen, amen, papa. Amen, amen, amen. Je ne tiens même pas debout, j'ai comme l'impression que je... Tu t'es devenue légère maintenant. Oui. Amen, 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 amen. Amen, amen, papa. Mais tu ne croyais pas à la sorcellerie, maintenant tu crois. Je crois maintenant. Tu crois maintenant à la sorcellerie. Maintenant, j'ai vu ça, c'est waouh. Wow, les pauvres enfants. Ils sont protégés. Amen. Voilà, par les vous. Petits enfants. Oui, là, par vous déjà, vos petits enfants, expérimentez. Mon fils. Oui, tout. Amen. Voilà, amen, amen, amen. C'est fini, la paix s'installe. Amen. Vous avez papa. Couru, vous avez cherché le Seigneur. Voici la récompense. Quand vous cherchez, dites, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout vos cœurs. Je vous ai vu dans les croisades, en train de parler, de chercher. Oh, père, mon père spirituel, viens à la maison parce que je sens qu'il y a des choses à la maison. Amen. Maintenant, c'est chose faite. Effectivement, j'ai commencé à moi-même comprendre la gravité de la chose. J'ai dit, bon, je vais prendre le contrôle de la chose. J'ai été attaqué. J'ai dit, bon, quand c'est attaqué, c'est que c'est bon. Amen. Voilà, quand le diable t'attaque, c'est qu'il est menacé. Amen. Voilà, donc on ira jusqu'au bout. On va voir celui qui va gagner. Amen. Or, nous avons déjà la victoire en Jésus. Amen. Nous ne combattons pas dans la défaite, nous combattons dans la victoire. C'est cela que David dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Nous avons la victoire. Amen. Le diable doit s'accaparer de nos biens. C'est un menteur, un usurpateur, il est. Nous avons orienté tout à l'heure qu'il parte mourir en enfer. Amen. Parce que sa place, c'est l'enfer. Amen. Qu'il parte mourir et qu'il nous laisse vivre notre destinée. Amen. Notre destinée, c'est la paix avec Dieu. Amen. Jésus est le prince des paix. Amen. Jésus est le Dieu de la victoire. Sauf cela qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez perdu, Dieu vous le restitue. Amen. Merci, vos finances seront restituées. Amen. Votre santé sera restituée. Merci, Seigneur. Votre paix sera restituée. Amen, mon Dieu. La gloire de Dieu sur vous Amen. Et vos enfants. Seigneur. Et seront aussi communiqués à vos petits-enfants. Amen. Désormais, la bouche du diable est fermée à jamais dans cette maison. La bouche du diable est fermée à jamais. La preuve, c'est que la chair n'a pas été mangée totalement. Et c'est fini. Elle ne sera plus mangée. C'est fini. Tout, malgré tout ce qu'ils ont fait comme fétiche dans cette maison pour vous nuire. Cette chair qui a été enfuie, cette poudre mystique, tout ça pour dire en un mot, Dieu est bon. C'est par la grâce que Dieu vous a sauvé. Voilà, c'est la grâce. Je vais rendre un témoignage. Oui, allons-y. Quand il était parti de la maison. Oui. Au mois de... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Il est sorti de la maison au mois d'août. Il est sorti de la maison. Parti deux semaines. Pression. La pression sur toi. Oh là là. La pression démoniaque. Démoniaque, tes engueulades et tout. J'ai été me réfugier chez ma soeur qui était à Brou. Tu ne tenais plus. Je ne tenais plus, non. Oui. Je suis parti, j'ai couché deux nuits dans ma voiture. Je suis parti au centre de la France. Je suis parti comme un fou. Ah, comme un fou? Oui, oui. J'étais la pression, je suis parti, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Ouh là là. J'ai été au bord d'un étang. J'étais. Non, mais je voulais tout seul méditer, être tranquille, partir. Parce que tu sentais la pression ici. Voilà. Tu n'étais plus en paix ici. Voilà. J'ai dormi dans ma voiture, et je mangeais du pain, du saucisson et tout. Puis après, j'étais chez ma sœur à Brou. Mm-hmm. Et je suis resté 10 jours chez elle, mm-hmm. hein, pour pouvoir me mettre. Et après, je suis revenu. Après. Et quand il est revenu, là où vous avez creusé, là, juste au niveau de la fenêtre, il y a eu la terre qui a été retournée. Ah oui, retournée comme si c'était, je ne sais pas quoi, un animal où il y avait même les cacas de chat. Et vous vous souvenez, l'esprit de chat,
le chat que vous m'avez... Oui, l'esprit de chat. Voilà, le chat que vous m'avez délivré déjà une fois. À Paris, quand, avant la première fois que vous nous avez... Vous avez délivré chez Hélène, juste avant qu'on l'attendait. Alors, ça a été... Et depuis ce temps, il y a partout, ça creuse. Oui, la présence sur le petit bosquet, il y a la terre qui a creusé. Ça creuse partout, ça tombe toujours. Moi, je crois que c'est des oiseaux, mais je ne sais pas. Toujours. Quand je lui dis non, il ne me croit pas. Oui, mais il ne croit pas. Les blancs, il ne croit pas. Mais maintenant, tu crois, je crois, bien sûr. Voilà, tu vois, je crois, j'ai vu, de mes yeux, il faut que je voie quelque chose. Mais c'est ça, c'est ça. Si on me dit, s'il est là, je ne vois pas, je ne sais pas. Tu ne vois pas, tu ne sais pas. Maintenant que tu as vu. Maintenant, j'ai vu, je sais, je crois. Voilà. Voilà. Je crois. Donc, papa. Maintenant, on est libéré maintenant. Ouais, bah, vous êtes libéré. Maintenant, tu peux dormir. C'est ta femme dans tes bras, c'est ta femme. Le diable s'est monté. Amen, 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 amen. Maintenant, le couple reçoit la paix de Dieu. Et c'est fini. Je vous communique cette paix. Je communique la paix à vous, à vos enfants, aux petits-enfants, la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Dites merci au Seigneur. Merci Seigneur. On n'arrêtait pas de se disputer, de se déchirer. De déchirer, c'est tout ça. Tout le temps déchiré, tout le temps. Point c'était oui, plus un couple. Hein. Plus un couple. C'est pour ça que la pression, je suis parti. Mais t'es parti. Voilà. C'est pour ça. Okay. On était au rebord, c'était juste. Hein. C'était... Enfin, moi, j'étais déjà, je ne vous dis pas, moi, j'étais déjà, ma tête n'y était plus là. Ouais. Je voulais partir. Oh, ok, maintenant c'est fini. C'est amen. Fini. Voilà, tu sens maintenant que tu es dégagé. Oui, oui, oui. Tu es dégagé. Toi, c'est fini. Et toi, qu'est-ce que tu sens? Je vous dis que je ne, tout à l'heure là, je ne tenais pas. Je ne tiens même pas debout parce que j'ai le corps qui tremble. Ça tremble, vous voyez, je transpire même à grosses gouttes. Amen, j'ai amen, le corps amen, qui amen, tremble. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dis ça en camerounais dans ta langue. Ah, 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 au nom puissant de Jésus, plus fort que le Seigneur, il n'y a pas. Ngolo Zamba, parce que avant que cette dame n'entre ici, elle m'avait trouvé, je mettais déjà mes genoux par terre. Mm. Je criais, je priais le Seigneur. Mm. Elle est arrivée, elle a voulu faire ce qu'elle a fait. Elle l'a faite, mais elle n'a pas réussi. Amen. Si elle avait réussi, ça fait 9 ans que ça dure. Mm-hmm. 9 bonnes années que ça dure. Nimbou ibou. Ama andan, problème yina. Nimbou ibou. Mais il y a une fin à tout. Comment on appelle Jésus dans votre langue? Yesus. Yesus qui a délivré. Papa, je ne vous dis pas, j'ai dormi 9 mois. Oui, ma fille, non, laisse ça faire ça sur le passé. Non, parce que je ne pouvais pas. C'était une pression. C'était la pression dans la maison, même dans la chambre, je ne pouvais pas. On a même changé tout. Tout. Le lit, tout. Parce qu'il y avait le premier matelas avec des choses mystiques, des trucs mystiques. J'en ai ramassé et les cornes et les cordes et. Je suis allée jeter la corne et la corde à la Seine. Mm. Ça fait comme si c'était une grosse vague de la mer. Mm. Je ne sais pas. Mm. Alors, que Dieu soit loué, papa. Nous sommes délivrés. Amen. Nous sommes libérés. Amen, amen, merci. Amen. Papa, mais... Dieu est bon. Je lui remets entre les mains de amen. Dieu. Amen. Serge, ton dépression, ton dernier témoignage au Seigneur. Je remercie le Seigneur, je remercie papa de m'avoir délivré. Mm-hmm. Un grand poids est parti de moi. Mm-hmm. Je me sens tout léger, délivré. Mm-hmm. Et je respire, je souffle. Mm-hmm. Je te remercie, papa. Amen, merci. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen. On va pouvoir vivre tranquille. Amen. Tranquille. Je vais intervenir une fois. Voilà, c'est pour dire, l'histoire se passe en France et à Vernon, c'est non? Vernon, oui. À Vernon. Dans l'heure. Voilà, à Vernon, tout en banlieue, juste après du Paris. Vous dites, c'est pas seulement qu'en Afrique, en France. C'est pour cela que nous autres, nous sommes obligés de venir. Oui. Nous sommes obligés de venir parce que les gens sont menacés. Ils ne savent plus mettre la tête. Vous comprenez? Ils ne savent plus mettre la tête. Et Dieu, il fait la grâce à qui il veut. Il donne des dons. Voilà, c'est mon don d'aller dans les endroits où les fétiches ont fui. Voilà, voici encore une preuve ici en France où un fétiche vient d'être déterré. La gloire revient au Seigneur pour cette victoire. Satan a encore échoué. Il échouera encore. Si vous voulez bien. La seule chose qui permettra à Dieu de vous protéger, de vous sauver, c'est que vous donnez votre vie. Change de position, change de camp. Dans le fétichi, dans le marabouta, il n'y a pas de vie. La vie se trouve en Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, il te déchargera de tous ses esprits. La sorcellerie ne peut rien face aux œuvres de Jésus-Christ, face à ce nom puissant de Jésus-Christ. Shalom et soyez bénis au nom de Jésus. Amen, papa. Voilà, soyez bénis, merci. La paix de Dieu dans cette maison, la gloire de Dieu dans cette maison.